Eh bien, salut à tous les amis, c'est Drixiz et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Et comme vous l'aurez vu au titre et à la miniature les gars, aujourd'hui on est une fois de plus en police nationale. C'est toujours un plaisir, pardon, je sais pas du tout pourquoi il y avait le micro ici étant donné que je parle dans celui-ci. C'est toujours un plaisir les gars de vous retrouver pour une petite patrouille. Donc aujourd'hui rien de bien particulier, c'est la police nationale, police secours, on va prendre tout ce qui tombe. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et de venir me rejoindre sur tous les réseaux sociaux. C'est très très important les gars, on est 201 000 abonnés. Si avant la fin de l'année on pouvait être aux 300 000, ce serait énorme. Et je sais qu'on en est capable, alors je compte sur vous pour partager et vous abonner en nombre. Du coup, oui, comme j'étais en train de vous le dire les gars, petite patrouille police secours, rien de bien méchant. On va prendre ce qui va tomber, on va patrouiller tranquillement. Il y a Fabrice à côté de nous. Fabrice, bonsoir Fabrice, hein, bienvenue. Aussi, chose importante, il n'y a plus dans mon jeu le plugin Chill Callout, car tout simplement la dernière mise à jour fait bugger avec d'autres plugins. Du coup j'attends qu'il y ait une autre mise à jour. Coma va en faire une très rapidement, ce qui va permettre bien de rejouer avec et de supprimer tous ces petits bugs. Donc ne vous inquiétez pas les gars, nous allons découvrir la suite de Chill Callout ensemble. Mais bon, j'ai pas supprimé un pour ne rien y mettre. J'ai installé United Callout, donc c'est un autre plugin qui est très sympathique, où on a pas mal d'interventions. Donc malheureusement les interventions là ne seront pas en français, mais ça fait quand même quelques interventions sympathiques. Alors, on va aller patrouiller eh bien tout simplement un petit peu partout dans Los Santos. On n'a pas réellement de secteur qui est prédéfini, donc on peut aller vraiment n'importe où. Prendre une intervention au nord, au sud, au port, à l'aéroport. On va prendre vraiment tout ce qui va tomber. Je vais, moi, déjà, d'ores et déjà, sortir mon radar qui va me permettre de scanner tous les véhicules que je vais croiser et essayer de localiser des véhicules qui sont volés ou qui ont des choses à se reprocher, tel qu'un conducteur qui est recherché ou qui a perdu son permis ou quoi que ce soit. On va pas s'affoler, on va rouler tout doucement. Hop, je vais démarrer ma manette pour pouvoir jouer avec la manette. Voilà, lui il m'a l'air bien excité là. Ok, il a rien de bien particulier à se reprocher. C'est pas plus mal. On va attendre les interventions, ça m'a l'air d'être plutôt calme. Aujourd'hui il n'y a pas trop de circulation. Donc si jamais on est amené à devoir interpeller de force un forcené, eh bien je pense que ça devrait plutôt bien se passer. Allez, le feu il passe au vert quand là. Je suis sûr il va accélérer comme un, il va accélérer comme un bourrin. Déjà j'ai cru qu'il allait griller le feu rouge. Rebellion in progress. Ok les gars, on prend intervention. On a 30 secondes pour y aller. C'est derrière nous. Ok. Ça part, on y va les gars. Sur un petit cambriolage. Attention monsieur. Alors attendez. Ok, je me suis déjà trompé de route. Là on faut qu'on arrive avant que les braqueurs reprennent la route. C'est pas très loin du commissariat apparemment. Il me semble que j'ai compris où est-ce que c'était. Ok, c'est ouais, juste à côté du commissariat. C'est dans la rue de la caserne quasiment. Ce sera à droite là-bas normalement. Pas ici mais la prochaine. Ok, super. Ok, ils disent que les suspects se sont échappés. On est en train d'arriver. Ils sont là, ils sont là. Arrêtez-vous. Ok les gars, ça part en véhicule. Les suspects sont en train de s'en aller dans un véhicule rouge. J'ai pas réussi à avoir l'immatriculation. Faut que j'arrive à faire un plate check pour au moins avoir l'immatriculation du véhicule. Ok, je l'ai eu, c'est 41SYS045. Donc je vais immédiatement demander un hélicoptère. Parce que l'autre jour je me suis fait avoir les gars sur une intervention similaire. Eh bien le véhicule il a réussi à s'échapper. Mais heureusement que l'hélicoptère l'avait relocalisé, car on a réussi à le rattraper après. Attention monsieur. Ok, j'ai un hélicoptère qui vient d'être engagé. On va demander des Hers aussi. Là j'espère qu'ils vont pas se planter pour les positionner parce que ce serait chaud. Oh là là là, mon véhicule il dérape, ils ont un véhicule qui est quand même assez puissant. Retire tes Hers, super. Ok, le véhicule s'immobilise, le véhicule s'immobilise. On interpelle, on interpelle. Arrêtez-vous. «
Ok, ils vont interpeller l'autre. Sortez du véhicule immédiatement. Sortez du véhicule, mettez les mains en évidence et couchez-vous au sol. Allongez-vous au sol immédiatement. Police nationale. Ok, on est en train d'interpeller un individu. Le second, je sais pas ce que ça donne. Le second, ils sont en train de lui courir après. Ok, il y a la gendarmerie nationale qui est à nos côtés pour cette poursuite. Lui, je vais tout de suite demander un police transport. Le véhicule, pareil, je demande une dépanneuse rapidement. Je vais récupérer mon véhicule pour tenter d'aller récupérer mon collègue qui est en train de courir après le suspect. On va essayer de l'aider comme on peut. Allez. Ils sont partis par là-bas. Là-bas, il y a l'hélicoptère. Il est où mon camarade là? Ok. Il est en bas à gauche. Ok. Ok, nickel. Le collègue a réussi à interpeller le suspect, le second suspect. On va l'embarquer nous-mêmes du coup. Je me mets sur le bas-côté pour rétablir la circulation quand même. Parfait. Eh ben, franchement, Fabrice, bon travail. Moi, je suis fier de toi. T'es un des collègues les plus performants que j'ai eu jusque maintenant. On fait un petit pas de donne de paix, histoire de savoir que monsieur va pas nous sortir une arme pendant le transport au commissariat. Et on va rouler directement. Ok, bon, allez. Je le prends. Il va où, là, Fabrice? Je vais l'en mettre dans mon véhicule. Allez. Hop, allez, installez-vous, monsieur. Mettez-vous dans le véhicule. Oh là 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 là. Voilà. Ok, super. Bon, Fabrice, on roule le commissariat. On fait gaffe, il y a un peu de sang sur le véhicule. On va le nettoyer là-bas. Faudra surtout pas oublier, hein, par contre. Parce que sinon, les gens, ils vont péter un plomb. Donc, une première intervention, les gars, qui s'est... Oh là, pardon, excusez-nous, monsieur. Qui s'est plutôt bien fini, étant donné qu'on a réussi à l'interpeller. Heureusement que j'ai demandé derrière ça à ce moment-là. Parce que je ne sais pas comment ça se serait passé si le véhicule aurait réussi à retourner dans la campagne. Étant donné que c'était un 4x4 et qu'il était plus ou moins adapté pour partir sur des chemins en terre, le nôtre ne l'était pas du tout. Ça aurait été réellement compliqué. Là, on va vers le commissariat de Rockford Hills pour tout simplement le déposer et que l'OPJ, l'officier de police judiciaire, eh bien, le place en garde à vue. Et vous avez vu, les gars, au début de cette vidéo, j'ai même pas bafouillé un petit peu. Je suis très fier de moi, honnêtement. Alors, le commissariat, on y est dans quelques secondes. Et superbe. Alors, du coup, nous allons déposer monsieur. Ah, le point de dépose, il a changé, il est ici maintenant. Il me semblait qu'il était dans la descente là-bas. Hop, to another cop, je vérifie vite fait si le fond vert ne s'est pas retiré comme la dernière fois, parce que c'est ce qu'il m'avait fait. Ok. Je sais pas si vous voyez mon compteur de FPS parfois en bas à gauche de l'écran. Dites-le moi en commentaire si jamais c'est le cas. Parce que là, je vois que parfois il apparaît, parfois il disparaît. C'est assez étrange. On fait un petit fix et clean vehicle, puis nous sommes de nouveau disponibles pour une intervention. Donc je rejoue à la manette. Là, quand on est en patrouille comme ça, j'aime bien être avec la manette. Ok. Le véhicule qui est devant nous, les gars, est signalé comme pas assuré, ce qui explique sûrement qu'il conduise eh bien, comme un dieu. Je vais lui demander de se mettre sur le bas-côté. Désolé, ça me gratte le nez. On va le mettre sur le bas-côté. Bon, il pouvait pas se mettre à un autre endroit qui a une place, une entrée de parking souterrain. Ok. Superbe. C'était pas ça que je voulais faire. Ok, Dwayne Smith, expiré d'insolence. Ok. Monsieur, bonjour, c'est la police nationale. Donnez-moi tous les papiers du véhicule, s'il vous plaît. Est-ce que vous savez pourquoi on vous contrôle? Ok, donc monsieur, il y a une odeur d'alcool déjà. D'accord. Donc il est. Registration, assurance. Eh ben non, apparemment, il est assuré le véhicule. Ah non! Non, 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 ok. Le 6 janvier 2020. Donc, monsieur, on vous contrôle tout simplement parce qu'au radar, on a vu que le véhicule n'était pas assuré. Hein. Donc, voilà. Est-ce que vous avez consommé de l'alcool ou du stupéfiant? Est-ce que vous avez bu, monsieur? Oui, j'en ai besoin pour mon corps. Est-ce que vous avez consommé de l'alcool stupéfiant, monsieur? J'utilise
de façon récréative pour le médical. Ok, donc monsieur, je procédais à un test d'alcoolémie. Donc allez-y, vous allez souffler, 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 souffler. Ok, 0,85 grammes par litre, ce qui est au-dessus de la limitation autorisée en France. Attention all units, medical aid requested in Burton and ambulance requested from Négative, Rockford Hill. négative. Donc monsieur, je vais vous demander de descendre du véhicule s'il vous plaît. Hein, vous êtes sous l'emprise de d'alcool au volant d'un véhicule là. Donc hop. Vous allez venir avec moi, on va discuter derrière en sécurité. Vous allez être soumis au test. Monsieur, venez. Venez là, monsieur, allez, avancez encore. Ok. Donc monsieur, vous allez subir une batterie de 3 tests d'alcoolémie. Donc hop là, allez-y, faites celui-là. Donc là, c'est le test qu'on lui a fait, hein. Ah non, c'est le test des yeux, donc est-ce qu'il suit normalement le crayon? Ok. Il l'a raté, d'accord. Ensuite, walk and turn, donc marcher et tourner, monsieur. Et marchez pas jusque la route, hein, soyez pas débile. Allez-y. Regardez, le collègue aussi, il est intrigué là. Hop, ouais, donc monsieur, il est bien sous l'emprise, hein. Ça se voit, il marche n'importe comment. On va lui demander de faire la position où il est debout, le genou levé après. Vous allez voir qu'il va pas réussir non plus. Fayed, ok. Et allez-y, monsieur, mettez-vous debout sur une jambe. Ok. C'est un échec pour monsieur. Ok, donc monsieur, voilà, ce qui va se passer, c'est que je vais vous interpeller pour conduite sous l'emprise de stupéfiants. Vous aurez une amende aussi pour tout simplement le véhicule qui n'est pas assuré. Mais là, pour l'instant, nous, ce qui va nous préoccuper, c'est l'alcool au volant. En plus, ces derniers temps, eh bien, la procureure de la République a tout simplement durci les lois. Et il y a un sniper dans son véhicule, elle a durci les lois. Donc, c'est vraiment beaucoup plus puni maintenant. Hop, du coup, qu'est-ce qu'il a pris? 915 $ d'amende et une suspension de 4 mois de permis. Ok, donc monsieur, votre véhicule, il va être évacué par une dépanneuse vers la fourrière. Hein. Donc, hop, là. Je vais venir à la dépanneuse de la fourrière. Vous, tu me fais un pas de donne de paix, s'il te plaît, Fabrice. Et on va l'emmener directement vers l'OPJ qui va le placer en dégrisement pour le reste de la journée. Parce qu'il arrive même pas à tenir sur une jambe, le mec il est totalement rincé. Alors monsieur, hop, vous allez venir avec moi dans le véhicule là. Je vais vous emmener au niveau du commissariat moi. Hop, la dépanneuse qui prend, superbe. Allez, en plus il s'est foutu dans le mur avec sa voiture, il pourra pas dire que c'est nous. Eh bah les gars, vous voyez, on est vraiment performant aujourd'hui, je trouve. Vous êtes une bonne patrouille. Honnêtement, de là depuis le début, c'est une bonne patrouille, on est pas mal. Allez Fabrice, en voiture, on roule rapidement. Pas besoin d'aller loin pour faire du flag, hein, vous avez vu. Allez. Donc superbe, on va le déposer, lui. Hop. On dépose le deuxième suspect interpellé. On a déjà deux interpellations en à peine 15 minutes de vidéo. C'est vraiment pas mal. Et ce coup-ci, comme on est dans l'autre sens, on va partir direction là-bas. Donc je remets mon petit radar. Hein. Voilà. Lui là. Ah, ok, ça passe. Alors, il n'y a pas trop d'interventions aujourd'hui qui tombent sur les ondes. Hein. C'est assez calme. C'est assez étrange même. Il y a vraiment peu d'interventions. On est jeudi. Non, on est vendredi, pardon. C'est normalement, il y a la sortie des cours dans pas longtemps. Après, il y a aussi le fait du coronavirus. Les gens ne veulent plus trop sortir. Du coup, c'est assez calme. Et il y a beaucoup moins de monde dans les rues, donc généralement quand il y a moins de monde, il y a moins de choses qui se passent et il y a moins d'intervention de police. Mais après on va toujours faire les cambriolages, les violences conjugales, les violences en tout genre. Stolen emergency vehicle. Bah vous voyez, il se passe quand même des trucs. Ok, donc là à droite, il y a un véhicule qui a été volé, je relocalise juste. Ok, très bien, c'est bon. De toute manière, il y a déjà des...
des véhicules de collègues qui sont présents. On entend d'ores et déjà les deux tons. On va se greffer sur l'intervention. Ok, il y a un fourgon des pompiers de Paris là-bas. Ok, donc lui il s'est pas fait chier, il a carrément volé le fourgon. Hein. Allez les gars, rapide là. Hop, je vais tout simplement demander des hers dans la foulée. Malheureusement, ça a foiré un peu nos hers. Là, je vais les redemander d'ici quelques secondes. Hop. Ok, superbe. Le véhicule là, il va s'immobiliser là-bas. On va faire un barrage routier ici. Oh merde. Il va sur le mini-golf en fait. Remonte Fabrice. Fabrice remonte. Le véhicule il va s'immobiliser sur le mini-golf je pense. Nous on va surtout bloquer l'entrée. Et il y a réellement un véhicule de sapeurs-pompiers de Paris qui s'est fait voler là. Et où est-ce qu'il veut aller là en fait? Je comprends pas trop l'objectif. Je sais pas trop. Il va forcément ressortir par là où il est rentré. Donc il faut qu'on aille bloquer l'entrée au plus vite. Hein. J'aurais dû rester là-bas et attendre qu'il revienne. Oh là, attention, j'ai failli manger un arbre. Ok, désolé pour le poteau. Le véhicule, là, on va le bloquer là-bas. On va faire un barrage avec notre petit Peugeot partenaire. Il va pas nous avoir lui. Ok, on reste en poste ici nous. Hop. On va mettre les barrières. Il est là, il est là, il est là. Il arrive, il arrive. Arrêtez-vous. Punaise. Allez, on n'a pas réussi à l'interpeller. Remonte dans le véhicule là. Allez, rapide, rapide. Punaise, mon plan il a pas fonctionné. Je voulais mettre des barrières mais... J'ai été beaucoup trop long. Ça fait chier. Ok. Ouais, c'est la première fois que je tente une manœuvre comme ça et je la foire. Donc c'est un peu décourageant, mais bon. Faut pas perdre espoir. Allez, avance là. Avance, t'as une Renault Mégane 4 et t'avances pas. Hop, je redemande des hers. Ok, superbe. Ok, nickel, il a mis des hers. Faut qu'il passe dedans maintenant. Faut qu'il passe dedans. Ah, punaise. Il est pas passé dedans. Là, comment on peut interpeller un véhicule comme ça là? Sérieux, c'est pas possible. Je vais redemander les hers. Ok. Où est-ce qu'ils les ont mises là? Allez, 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 allez. Il les a encore mises n'importe où. Là, je vais devoir utiliser mon arme, hein, les gars, si ça continue. Je vais devoir utiliser mon arme hein, pour tirer dans les pneus. Oh là, oh là, oh là, qu'est-ce qu'il fait, là? Il a essayé de nous barrer la route. Là, il percute vraiment beaucoup de monde. Ok, les gars, on sort. Arrêtez-vous. Ok, j'ai réussi à le taser. Relevez-vous, police nationale, mettez-le en évidence et bougez plus. Au sol maintenant, couchez-vous. Ok. Hop, on passe les menottes. Superbe. Oh, il y a un chien, attention au chien. Waouh. C'était méga chaud, les gars. Tu me fais un pas d'homme de pète, moi je fais évacuer le FPT. Hop, très beau fourgon d'ailleurs, bon, un peu cubique. Hop, large tow truck. Il y a la dépanneuse qui est là-bas. Non, Fabrice, reste avec lui. PCP et Small Revolver. Ok, heureusement qu'il s'est pas mis à nous tirer dessus. Ça aurait fait un truc sympa. Troublemaker at Micro Station. Ok, bon, allez, je demande la police transport pour le monsieur. Et nous, les gars, on a une nouvelle intervention. On part pour un trouble à l'ordre public dans une station de métro. Donc, ça a l'air d'être... Par là-bas, c'est la station de métro de Davis. Mon véhicule il n'est pas abîmé, donc je peux y aller sereinement. Si, bon, légèrement, j'ai peut-être arraché un poteau, mais bon, c'est des choses qui arrivent, hein, c'est le métier qui rentre.
Allez, on va vers la station de RER de Davis, les gars, pour tout simplement un trouble à l'ordre public. Donc en quoi ça correspond, je ne sais pas. Nous allons découvrir ça ensemble. Allez. On y est quasiment. D'ici quelques secondes, on est arrivé. Là, je roule, mais comme un bourrin, par contre. Là, je suis en train de tout défoncer. Ok, nous sommes arrivés. Ça va être ici. Hein. C'est la seule station de métro à Rockford Hills. Ok, allez, Fabrice, on y va. Alors, qu'est-ce qui se passe? On va y aller tranquillement. Hein. On ne va pas se prendre la tête. J'espère que mon véhicule, lui, ne va pas disparaître, par contre. Ce serait dommage. Alors, qu'est-ce qui se passe? On va aller voir ça. Ça doit être sur le quai, hein. Il y a du monde, quand même. Il y a du monde dans les transports. Je devrais peut-être mettre un masque. Oh là, d'accord. Il y a un homme qui parle encore. Arrêtez-vous, monsieur. Arrêtez-vous. Arrêtez-vous. Qu'est-ce qu'il fait là? Monsieur, monsieur, hey, arrêtez-vous là! Arrêtez-vous, remontez sur le quai! Remontez sur le quai là, mais il est malade lui! Hey! Allez, relevez-vous, relevez-vous, mettez les mains en évidence là! Allongez-vous au sol! Allongez-vous au sol immédiatement! Allez, là faut qu'on dégage rapidement la voie là, les gars, faut qu'on dégage rapidement la voie! Laissez-moi partir, je suis tellement désolé! Non mais y a pas de ça là monsieur, vous êtes parti en courant sur les voies du tramway quand vous nous avez vu là, vous êtes complètement malade. Il a craqué l'ancien. Allez, on va le mettre sur le quai là. Ah mais je vais jamais réussir à remonter. Y'a un train qui arrive là, y'a un train qui arrive. Il faut que je me mette en sécurité au maximum. Je vais le foutre ici. Là je sais qu'il va pas se faire percuter. Ok, nickel, j'ai réussi à le reprendre, à le remonter. On va remonter là-haut. On va, enfin remonter en bas, c'est pas con, ça, c'est pas possible. Hein. On va monter au niveau du véhicule pour procéder au contrôle. Mon collègue, où est-ce qu'il est? Je n'en ai aucune idée. Là, ça a failli mettre fin à la circulation des trams pendant un certain temps. Ah d'accord, t'étais là, oui, t'as un petit problème dans ta tête, toi, mon coco. Hop, on remonte à la surface. Le véhicule est encore là. C'est génial. On va procéder au contrôle de monsieur là, faire un petit pat down de pet, savoir ce qu'il a sur lui. Il m'a tout l'air d'être un sans domicile fixe. Hein. Donc malheureusement, il va finir en garde à vue. Et je pense que la SNCF ou la RATP, là c'est la RATP, va déposer plainte contre lui. Et à ce moment-là, eh bien, il y aura des poursuites judiciaires. Sinon, il sera tout simplement relâché. Et puis voilà. Alors, monsieur, je vais vous soumettre au dépistage d'alcoolémie. Hop. Il y a encore un cambriolage. Ok, pas d'alcoolémie. Je vais vous soumettre au dépistage de stupéfiants. Donc mon collègue va le faire. Vas-y Fabrice. Puis on va rouler direction le commissariat qui est au bout de la rue là-bas. Non, pour vous ce sera là-bas. Là-bas, il est par là-bas le commissariat. C'est un peu compliqué. Allez, hop, Grapeped. Et on va l'emmener nous-mêmes, on va pas faire appel à une patrouille. Généralement je fais appel à... Oh mais attendez, il a pris un pet là, mon capot là. Généralement je fais appel à des patrouilles quand je dois repartir rapidement, soit chercher un deuxième suspect, soit aller faire autre chose de plus urgent. Oh, person with a knife. Eh ben c'était calme pendant un certain temps, sauf que là ça s'agite un petit peu j'ai l'impression. Les gens commencent à s'exciter. Allez, on va direction le commissariat qui est par là-bas. On va se mettre à gauche parce que l'on va tourner à gauche. Et on va faire tout simplement comme d'habitude tout another cop. Ok, allez. Parfait. Tout another cop. Et ce sera perfecto. Et c'était une belle patrouille. Attendez, on a fait combien d'interpellations? On en a fait 1, 2, on en a amené 3. Et on en a interpellé 6 en tout.
Nous en avons interpellé 6, 3 que nous n'avons pas transportés et 3 que nous devons transporter. Donc franchement, je trouve qu'on n'est pas trop mal avec Fabrice comme, comme équipage. On est plutôt cool, je trouve. Allez, Fabrice, viens. On est vachement sympathique. Est-ce que je peux lui mettre une patate à Fabrice? Non, même pas. C'est dommage. Ok, bon bah du coup les amis, pour nous ça va déjà être la fin de cette vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. On va se retrouver demain pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. C'était Drixiz et ciao, bye bye.